السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل en cette soirée du lundi 12 جمادى الأولى 1439 de l'Hégire correspondant 29 janvier 2018 بإذن الله تعالى. Donc c'est le cours numéro 13 de عقيدة أهل السنة والجماعة. Explique de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymeen عليه رحمة الله تعالى. طيب دونك طيب دو ليمينو سافون شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كور نيميرو 13 دونك اوني توجور الى دي عقيدتنا الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. نوتر فوا كونسيس اون لا كرويونس اون الله اون سي زونج اون سي ليفر اون سي ميساجي او جور ديني او ديستان او جور ديرني اي او ديستان بون او موفي. On est toujours à la croyance en yani, à Allah subhanahu wa ta'ala et on est en train de parler des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala. Et la fois passée, on avait commencé l'attribut de la main d'Allah azza wa jal. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, quand il explique, il a dit « Nu'minu bi anna lillahi ta'ala yadayni karimatayn azimatayn » Nous croyons qu'Allah le Très-Haut possède deux mains généreuses et immenses. Et avant d'oublier une chose importante, vous avez remarqué que les jours maintenant se sont allongés. Ils s'allongent de plus en plus. C'est pour cela qu'il faut savoir que dorénavant, les prochains cours, c'est à partir de 20h30 et on monte. Jusqu'à ce que ça devienne à 21h et comme ça. C'est pas à 20h. À 20h, je peux pas arriver de la mosquée. Donc prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, 20h30. Il a dit, on avait vu que parmi les que on avait dit que Al-Sunna ou Jama'a ou Alhamdulillah a attesté l'attribut de la main à Allah Azza wa Jal. Contrairement aux Jahmites et aux autres sectes, aux Asha'arites et autres, qui disent que Allah Ta'ala n'a pas de main. Et que si on dit qu'il a la main, on l'a fait ressembler à ses créatures. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala, d'après Al-Sunna ou Jama'a, Allah Ta'ala a deux mains qui lui conviennent. Ils lui conviennent, car rien ne lui ressemble. Naam. Et parmi les hadiths là, les hadiths qui prouvent que Allah Ta'ala a la main, on a cité ceci. Qala ya Iblis, ma ma'aka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya. Astakbarta am kunta min al-alin. Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, de mes deux mains. Donc, ici, le verset clair de ce que j'écris de mes deux mains. Naam, yadei. Yadeya. La traduction est mauvaise parce qu'il a traduit au pluriel mes mains. Il fallait traduire yadeya, mes deux mains, le duel. Al-Muhim. Ensuite, bien sûr, Iblis ne veut pas parce qu'il a dit Asjudu liman khalaqta tina. Comment vais-je me prosterner devant ce que tu as créé d'argile? Moi, j'ai été créé de feu. Et celui-là d'argile, et le feu est mieux que l'argile, donc je ne me prosterne pas devant quelqu'un qui a moins de valeur que moi. Ensuite, on avait parlé des juifs qui avaient dit que Yadullah est marloula. Les juifs disent la main d'Allah Azzawajal est fermée. La main d'Allah Azzawajal est fermée dans le sens que Allah Ta'ala est avare, l'ayadu billah, que Allah Azzawajal est avare, l'ayadu billah. Allah Ta'ala leur a répondu en disant que leurs propres mains soient fermées. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes.
il distribue ses dons comme il veut, comme il veut. Naam. Ensuite, on avait ici ce verset. Hein. Ensuite, on avait parlé de quand ils ont dit que la main d'Allah était fermée. Vous vous rappelez, j'ai dit que certains savants ont dit, regardez, yani, les juifs sont mieux que ceux qui disent, les musulmans qui disent que Allah Ta'ala n'a pas de main. Parce que le juif, au moins, il a dit que Allah Ta'ala avait la main. Mais il a exagéré en disant que cette main avait un défaut, qu'elle était fermée. Mais yani, il a dit que Allah Ta'ala a la main. Le juif reconnaît que Allah Ta'ala a la main. Je parle à l'Adem. Certains musulmans disent non, il ne faut pas dire que Allah Ta'ala a la main. Seulement que yani, Allah Ta'ala a corrigé, a dit que sa main n'était pas fermée. C'est votre main, hein, c'est vos mains qui sont fermées. Et maudit, vous êtes pour avoir dit ça. Pour avoir dit ça. Non. Et on avait cité l'autre verset, ne mets pas ta main enchaînée à ton cou. Non. Et on avait dit que Allah Ta'ala a certainement entendu la parole de ceux qui ont dit Allah est pauvre. Qui ont dit ça? Ce sont des riches. Cher, vous avez perdu. Cher, vous avez perdu le mic. Donc, je pense que Cher doit avoir un problème. Oui, c'est ça. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Cher a un problème de connexion. Inch'Allah. Donc, on va patienter le temps que Cher revienne. Allah, بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لل Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, vous connaissez le problème de la déconnexion. Vous êtes habitué maintenant. Tous les quarts d'heure, on se quitte et on se rencontre. Maalif. Al-Muhim. Un hadith, donc. Maintenant, Cheikh est passé à la Sunna, les délits de la Sunna, qui prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a les deux mains. Naam. Donc, ce hadith, que j'ai pas traduit en français, où il est dit que Allah subhanahu wa ta'ala, ses mains sont vraiment ouvertes, yani, grandement ouvertes, yani, de nuit comme de jour. Naam. Ensuite, il a dit, Ara'aytum ma anfaqa mudkhalaqa as-samawati wal-ard. Avez-vous vu combien, yani, Allah Azza wa Jalla a dépensé et a donné, naam, depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Depuis qu'il a donné, yani aux créatures. Naam. Fa innahu lam yarid ma fi yamini. Il a dit tout cela, tout ce qu'il a donné, n'a rien diminué de ce qu'Allah Azza wa Jalla dans sa main droite. Donc le témoin dans cela, ce n'est pas seulement que Allah Azza wa Jalla n'est pas avare et donne, mais que ça n'a pas diminué ce qu'il a dans la main droite. Donc le témoin, c'est la main droite. Allah Ta'ala a la main, l'attribut de la main. Ensuite, autre chose. Non. Parmi les autres Adidla, les autres Adidla, non. Avant cela, on avait parlé de. Yani, si certains disent pourquoi il a donné à X, il n'a pas donné à Y, on avait cité le verset, yani, entre autres, celui-là. Shura 27. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. C'est-à-dire que si Allah Ta'ala donnait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, alors il commettrait des abus sur la terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Non. Il connaît parfaitement ses serviteurs et il connaît parfaitement de quoi et combien ils en ont besoin. Donc Allah Ta'ala ne donne pas, yani, comme quelqu'un donnerait sans savoir combien qu'il doit donner, à qui il doit donner, à qui il ne doit pas donner. Allah Ta'ala sait à qui il doit donner, à qui il ne doit pas donner.
et la personne à qui il ne doit pas donner, ou bien pour le punir, ou bien tout simplement parce que s'il lui donne, ce sera un mal pour lui. C'est pour cela qu'il le prive. Ou bien, hein, alors il ne lui donne qu'un peu, ce qui lui suffit. Car Allah Ta'ala sait que cette personne, si elle deviendrait, yani, par exemple, comme on dit nous de nos jours, milliardaire ou archi-milliardaire, elle s'égarerait et dévierait, et peut-être même combattrait l'islam, et finirait, yani, éternellement à Jahannam. Donc Allah Ta'ala, par miséricorde, la prive et ne lui donne que ce qui lui suffit. Car la personne, naam, ne se connaît pas tant qu'elle n'a pas été éprouvée, par exemple, par la richesse. Naam, maintenant, tout le monde, nous tous, on dit, si on était riche, si jamais un jour je deviens riche, je vais construire des dizaines de mosquées. Et je vais payer le pèlerinage à des centaines de personnes. Et je vais marier des centaines de jeunes. Et je vais construire des dizaines de maisons aux personnes qui sont pauvres et démunies. Oui, mais tu le dis maintenant quand tu es pauvre. Mais rien ne prouve que quand tu seras riche, que tu tiendras ta promesse. Et que tu ne deviendras pas avare. Non. Mal SF, la plupart des. Bon, je ne dis pas la plupart. Beaucoup de riches sont des avares. Beaucoup, beaucoup. Non. Pourquoi? Tu as peur que ça diminue. Donc, tu commences à devenir avare et ne rien dépenser de ton argent. Alors que celui qui n'en a que peu, il dépense à droite, à gauche, il s'en fiche. Non. Mais celui qui est riche, il a peur. C'est pour ça qu'il devient avare. Al-Muhim, ce que je veux dire, c'est que si Allah Azzawajal nous prive, c'est yani, pour notre bien. Notre bien, il ne prive pas par avarice, il prive par grande sagesse et grande miséricorde. Parmi les preuves aussi que Allah Azzawajal a la main, l'attribut de la main, et le cours d'aujourd'hui va commencer ici, le hadith, toujours, où le prophète alayhi sallam a dit, Yatwi Allahu ta'ala as-samawati biyaminih wal-arda biyadihi al-ukhra. C'est-à-dire en français, Allah Azzawajal plie. C'est-à-dire, parle de Yom al-Qiyamah. Allah Azzawajal pliera donc, naam, les cieux avec sa main droite et la terre avec son autre main. Donc, Allah Ta'ala plie les cieux, samawat, biyaminihi, de sa main droite, ou l'ard et la terre de l'autre main. De l'autre main. Yep. On va voir maintenant dans le livre ce qu'il a dit. Non. Donc ça, c'est l'un des délits, comme j'ai dit, que Allah subhanahu wa ta'ala a donc la main, et l'on a même deux. La main droite citée ici, et l'autre main. Ici, il a dit l'autre. Il n'a pas dit si c'est la gauche ou pas, il a dit l'autre. Non. On va revenir sur ce point. Ensuite, parmi les délits aussi, ce hadith, non, qui se trouve rapporté dans Mukhtasar al-Ulu, le Zahabi, Tahqiq Sheikh al-Albani, 1, page 130, page 130, où le prophète alayhi sallam a dit, Ukhbirtu anna rabbakum azza wa jal, j'ai été informé que votre Seigneur azza wa jal, lam yamas bi yadihi illa thalath ashiya. Il n'a touché de sa main que trois choses. Non. Rara ça. Bon, ça c'est faux. C'est le ça à la place, le sin à la place du shin. Donc, rara ça, le jannata bi yadihi. Il a planté le paradis de sa main. Dans une version, il a le paradis d'Eden, Aden. Donc, trois choses ont été, et Allah Azzawajal les a touchées de sa propre main. Il a planté le paradis de sa main. Wa khalaqa Adama biyadih. Il a créé Adam de sa main. Wa kataba at-Tawrata biyadih. Il a écrit la Torah de sa main. Trois choses, ces trois choses ont été faites de sa main. Donc, les autres choses, comment elles ont été créées? Elles ont été créées par sa parole, soit kun fayakun.
Il dit à la chose s'il la veut soi et elle existe à l'instant même. Mais ces trois choses, tellement elles ont de valeur, qu'Allah Azza wa Jal les a créées de sa main. Donc, le paradis, il l'a créé de sa main, il l'a planté de sa main, et Adam alayhi salam, il l'a créé de sa main, il ne lui a pas dit soi. Il lui a créé de sa main, il a écrit la Torah de sa main, alors que le Coran, il n'a pas écrit de sa main. Il l'a Awha, il a révélé à Jibril qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la Torah, il l'a écrite de sa propre main. Donc ici, c'est quoi? L'attribut de la main. L'attribut de la main. Donc pour ceux qui disent que la main, c'est pas la main, c'est la puissance, ou là, c'est la ni'ma, ou là, ça peut pas être comme ça. Comment il a dit, il a planté la main, le paradis de sa main. Est-ce qu'on peut dire qu'il a planté le paradis de sa puissance? Sa ni'ma, sa main. Khalaqa Adam. Il a créé Adam de sa main. On va dire qu'il a créé Adam de sa puissance. Il a créé Adam de sa ni'ma. Ensuite, si ça veut dire puissance. Naam. Allah Ta'ala a créé Adam de par yani, sa puissance. On va dire donc tout le monde a été créé par sa puissance. Mais non, Adam a une particularité. Il a été créé de sa main. De sa main. Non, pas comme nous. Nous, on a été créé de yani, nos pères et de nos mères. Naam. L'union entre nos pères et nos mères. Mais Adam, non, créé de la main d'Allah Azza wa Jal, façonné de sa main. La même chose pour la Torah. Tayyib. Un autre dé. Naam, Cheikh a eu une déconnexion. Barakallahu fik ya Habib, si tu peux mettre le Coran le temps que Cheikh revienne. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله السلام عليكم. Donc on est en train de citer les dadil. نعم. Une seconde. Donc on est en train de citer les dadil qui prouvent que quoi? Qui prouvent que يعني الله عز وجل a l'attribut de la main. A l'attribut de la main, parce que les Ash'arites et autres n'am disent ou bien qu'il n'a pas carrément, ou bien ils interprètent, yani ils disent que il a la main, mais ça ne veut pas dire la main. Il a la main, mais ça ne veut pas dire la main. Taïb. Maintenant, il y a un autre hadith qu'on va citer aussi. Une seconde. Hadith, ya ibadi, ça on l'a vu. Nous avons. Barakallahu fik, n'am. Pourquoi, c'est quoi la cause qu'ils disent que Allah Ta'ala n'a pas de main? Bien sûr, s'ils disent n'a pas de main, ils disent qu'il n'a pas la plupart des attributs. Il n'a pas le rire, là, ne rit pas, il n'a pas la descente, il n'a pas le yajib, il n'a pas l'étonnement, il n'a pas le beaucoup de choses. Il n'a pas les yeux, il n'a pas le pied, il n'a pas la jambe, il n'a pas beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Le dénominateur commun entre ces choses, c'est de dire
que si on va dire qu'Allah Ta'ala a ses attributs, ça veut dire qu'on l'a ressemblé aux créatures. On l'a ressemblé aux créatures. Ce sont les créatures qui ont la main, qui ont le pied, qui ont les yeux, qui ont la jambe, qui rit, qui ceci, qui cela. Ou Ahl-Sunnah ou Jama'a disent non. Justement, Ahl-Sunnah ou Jama'a, nous, on peut joindre entre les deux. Entre les deux. C'est-à-dire, itbet, yani itbet, min ghayri tashbih. Itbet, on peut, yani, attester sans faire de ressemblance. On peut attester un attribut d'Allah Azzawajal sans qu'il y ait ressemblance. Non. Et tanzih min ghayri ta'til. On peut dire, c'est comme, par exemple, on va dire par exemple, Allah Azzawajal a une vie. Non. Allah Ta'ala est vivant. Et nous, on est vivant. Et pourtant, notre vie ne ressemble pas à la vie d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahou la la la. Notre vie commence par le néant et se termine par quoi? Se termine par la mort. Et Allah Azzawajal n'a ni début ni fin. Et pourtant, il vit, et nous vivons. Donc, si tu reconnais un seul attribut à Allah Azzawajal, tu dois reconnaître tous les autres. Comme tu dis que sa vie ne ressemble pas à notre vie, tu dois dire aussi que il a des yeux et ses yeux ne ressemblent pas à nos yeux. Il a la jambe et sa jambe ne ressemble pas à notre jambe. Il a les deux mains et ses deux mains ne ressemblent pas à nos deux mains. Il a l'attribut du rire et son rire ne ressemble pas à notre rire. Il a l'attribut de l'étonnement. Son étonnement ne ressemble pas à notre étonnement. Et comme ça. Naam, si tu reconnais un seul attribut, tu dois reconnaître tous les autres de la même façon. Ou alors tu nies tout. Tu dis, Allah Ta'ala n'a aucun attribut, comme disent les Jahmites ou l'Iyadu Billah. Non. Et même les Mu'tazila, ils disent non, Allah Ta'ala n'a pas d'attribut là, seulement des noms. Al-Muhim, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, leur problème c'est quoi? C'est que si on dit qu'Allah Ta'ala a un attribut, on l'a fait ressembler aux créatures. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, quand je dis par exemple main, main, sans l'affilier à quoi que ce soit, je dis seulement le mot main, qu'est-ce que je vais avoir dans mon esprit? Main. Normalement, rien. Pourquoi? Parce que faudrait que tu me dises la main de qui? Si c'est la main d'un être humain, je vois maintenant comment qu'elle est faite. Si c'est même entre homme et femme, c'est la même chose. La main d'un homme, d'accord, je vois ce que c'est. La main d'une femme, je vois ce que c'est. Hein, il y a une différence. La main du gorille, ouais, je vois ce que c'est. Plein de poils, etc. Non. La main de l'ours, non, je vois ce que c'est. La main de. Et comme ça. Vous voyez que ça. Subhanallah, c'est pas la même chose d'une créature à une autre. D'une créature à une autre. Maintenant, si je dis la main d'Allah, c'est aussi autre chose. Autre chose que je n'ai jamais vue, donc je ne sais pas comment qu'elle est faite. Mais je sais qu'il a une main seulement. Afoul. Deux mains, je sais qu'il a la main. Et quand je mourrai, Inch'Allah, si je meurs sur le Tawhid, je verrai, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azzawajal, je verrai ses mains. Donc, Al-Sunnah al-Jama'a atteste tous les attributs d'Allah Subhanahu wa Ta'ala qui s'est attesté. Mais, sans faire de ressemblance, Alhamdulillah. Sans demander le comment. Naam. Sans faire de ressemblance, sans demander le comment, sans les nier, bien sûr, et sans interpréter. Sans dire, comme disent les Ash'ari, oui, il a la main, mais la main, ça veut dire la puissance. Oui, il a les yeux, mais les yeux, ça veut dire la vision, il voit, la visibilité, c'est ça, les yeux. Non. Oui, il a le rire, mais ça ne veut pas dire ridri. Ça veut dire, il va donner des récompenses à la personne. Non. Oui, il a le truc de la colère, mais ce n'est pas la colère. Ça veut dire qu'il va punir la personne. Et comme ça. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Et Yom al-Qiyama, c'est Allah Azzawajal me dit, pourquoi tu m'as attribué tel et tel attribut? Je dis à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai trouvé ça inscrit dans le Coran. J'ai trouvé ça dans le Coran. Il a été révélé par toi et Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril, yani, l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je disais, parmi les dalils irréfutables qui prouvent qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de la main,
ce hadith authentique. Donc il y a un vrai souci, hein, un vrai souci de déconnexion. Donc on va voir avec Cher ce qu'on fait. Je pense qu'il y a un problème au niveau de l'antivirus. Et Al-Khair, bidibillah. On remercie. C'est possible que ça vienne du NAM, du programme. C'est vrai, ça va faire vite. C'est vraiment. Oui, qu'Allah Azza wa Jalla récompense Cher, parce que c'est vraiment pas facile. Donc on a vu ce hadith que yani Allah Azzawajal a créé yani trois choses de ses mains. Non, trois choses de Non, Cheikh, elle était déconnectée encore. Hein. Un vrai souci. Oh, Cheikh, je te vois même en gris dans la liste. Ya Al-Khair, bi-bi-bi. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa khismaï. Allah yihayyik. Il a essuyé le dos de Adam, alayhi salam. Et quand il lui a essuyé son dos, Naam, fasaqata min dhahrihi kullu nasamatin wa khariqun. De son dos, Naam, est tombée toute âme, Naam, toute âme que Allah Azzawajal allait créer, c'est-à-dire et la mettre dans un corps, bien sûr. Naam. Donc toute âme, toute personne qui allait être créée, Naam, yani, est tombé du dos de Adam alayhi salam. Mais le témoin, c'est quoi? Allah Ta'ala, quand il a créé Adam, il lui a essuyé son dos de sa main. Masaha dhahrahu. Masaha dhahrahu. Donc, on ne peut pas dire que c'est la puissance ou c'est la ni'ma, mais il y a l'essuyage là. Avec quoi il a essuyé le dos de Adam? Il l'a essuyé avec sa main. Il y a un autre hadith maintenant que je vais citer. Une seconde, j'espère que Inch'Allah Ta'ala, ça ne va pas se fermer. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah Ta'ala dit, il y a beaucoup d'autres dalils là. Il dit, fa'indana nas. Maintenant, nous avons le nas, min al-Qur'an, du Coran, de la Sunna, et on a le consensus. On a le consensus. Yani, des savants musulmans, comme quoi Allah Azzawajal a deux mains, comme quoi Allah Subhanahu wa Ta'ala a deux mains. Taïb. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, quand il a dit, wa ajma' al-salaf, les salafs sont unanimes, ala anna lillahi yadayn, que Allah Ta'ala a deux mains, ithnatayn, deux. Fakat, deux seulement, d'un ziyada, sans, yani, sans ajouter, non, seulement deux, pas trois ou quatre ou cinq, seulement deux mains, seulement deux mains. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, فَمِنْ عُلَمَا مَنْ أَنْكَرَ كَلِمَةَ الشِّمَادِ. Naam. Est-ce que Allah Azza wa Jalla a la main gauche ou il n'a pas? Maintenant, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains. Vous avez remarqué, Naam, dans un hadith, yani très connu, que Allah Azza wa Jalla a dit, ou plutôt que le prophète a dit, wa kilta yadayhi yamin, ces deux mains, Naam, les deux mains d'Allah Azza wa Jalla sont, yani, droites. Nous, on a la main droite et la main gauche. Mais le prophète, en parlant de l'Azza wa Jalla, il a dit, ces deux mains sont la droite. Droite. Donc, pas de gauche. Pas de gauche. Les deux mains sont droites. Vous avez remarqué dans un hadith cité plus haut, que je vais vous réafficher maintenant, réafficher, Snapchat, où, yani, voilà ce hadith. Où le prophète, hadith rapporté par Bukhari Muslim, a dit que Allah Ta'ala pliait les cieux avec sa main droite, biyaminihi, ou l'ard, et il plie la terre, biyadihi l'okhra, avec son autre main. Il n'a pas dit avec la main gauche. Vous avez remarqué, c'est rapporté par Bukhari Muslim. Donc, yatwi Allah ta'ala samawat biyaminihi, sa main droite, il plie les cieux avec la main droite,
Et la terre avec ça, son autre main. Il n'a pas dit la main gauche. Et vient yani, réconforter cela et le corroborer. Hadith, ses deux mains sont droites. Qui t'a aidé, yamin. Il n'y a pas de gauche. Maintenant, on va voir. Cheikh Ibn Uthaymeen dit. Cheikh Ibn Uthaymeen dit. Une seconde, je vais voir ce hadith. Moi, il y a parmi vous qui ont dit que Allah Ta'ala n'avait pas la main gauche. Il a dit que ces savants ont dit, on ne dit pas que la terre a la main gauche, mais on dit plutôt, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses deux mains sont droites. Qui t'a aidé, Yamin. Naam. Wa min al-nas, il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, et il y a parmi les gens, men athbata al-shimal, lillah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les gens, il y en a qui ont dit que Allah Ta'ala avait la main gauche. La main gauche. Wa qad ja'a hadha. وقال هذه جاءت في صحيح مسلم il a dit et يعني le dalil que Allah Ta'ala a la main gauche se trouve dans un hadith authentique rapporté par Muslim. Cheikh Ibn Uthaymeen n'a pas cité le hadith dont Muslim rapporté يعني rapporté par Muslim citant la main gauche et c'est celui-là نعم où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى avec la main droite ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون حديث rapporté par مسلم حديث rapporté par مسلم donc au jour de la résurrection Allah عز وجل enroulera les cieux puis les placera dans sa main droite, et dira, je suis le souverain, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis, il enroulera les sept cieux de sa main gauche, et dira, je suis le souverain, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Tyrans, un point. Une seconde. Non. Sauf que, ici dans la traduction, je viens de remarquer maintenant, il y a une faute. Parce qu'en arabe, il a dit, Thumma, ensuite, il enroulera, Thumma yatwi al-aradin bishimalihi. Il enroulera les sept terres, ce n'est pas les sept cieux, de sa main gauche, il dira. Donc, dans cette traduction, il y a une faute que je viens de remarquer maintenant. Donc, le hadith, il enroulera les cieux de sa main droite. Il dira, je suis souverain, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Puis, il enroulera les sept terres de sa main gauche. Il dira, je suis souverain, où sont les tyrans, où sont les orgueilleux? Mouhim, et où sont, ça s'écrit avec T à la fin, monsieur, où sont Agda? Ce n'est pas un pronom possessif. C'est le verbe être au pluriel. Mouhim, je dis au pluriel, ils sont. Mouhim, ce que je voulais dire ici, c'est que ce hadith rapporté par Muslim, hein, Muslim et Bukhari, ensuite il y a Muslim. Cite la main gauche. Cite la main gauche. Non. Maintenant, puisqu'il y a ce hadith comme ça, qui a cité la main gauche, non, qui n'a pas été cité dans d'autres hadiths, c'est dit l'autre main. Et nous, donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Allah Ta'ala a deux mains. Deux mains. Dans un hadith, dans plusieurs hadiths, c'est cité la droite. Dans un hadith, un autre hadith, c'est cité l'autre main. Dans ce hadith, c'est cité la main gauche. Et dans un autre hadith, c'est cité les deux mains sont droites, il n'y a pas de gauche. Les savants, donc, yani, comment qu'ils ont fait pour yani, expliquer tout ça? Cela dépend d'avant. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit pour moi, c'est clair. Le hadith de Bukhari a dit ses deux mains sont droites. Il n'y a pas la main gauche. Celui-là, ce hadith de Muslim, a dit qu'il avait la main gauche.
Donc, je vais dire, ce hadith qui se trouve dans Muslim est faible. Parce qu'il est ce qu'on appelle chaise. Chaise, malgré qu'il se trouve dans Muslim. Il est chaise. Chaise, ça veut dire que le thiqa, naam, le thiqa, yani, khalafa man huwa awthaq minhu. Le thiqa, quelqu'un, un rapporteur digne de confiance, mais, qu'est-ce que je veux dire, khalafa. Il a, disons, contrarié, naam, quelqu'un qui est plus digne de confiance que lui. Tout le monde sait que Bukhari, naam, en matière de hadith, est plus digne de confiance que Muslim. Muslim est digne de confiance, naam, mais Bukhari beaucoup plus. Son livre vient deuxième position après le Coran. C'est-à-dire, le Coran, il y a le Bukhari. Ensuite, il y a Muslim. Donc, Cheikh Al-Albani a dit, pour moi, donc, ce hadith est faible, même s'il est dans Sahih Muslim. Et il cite par exemple l'exemple de hadith cité dans Sahih Muslim, où il est dit 70 000 entreront au paradis. Et lorsqu'on a demandé qui sont ces 70 000, parmi les qualificatifs que le prophète a cité, il a dit ce sont ceux qui laïstelqon. Il a dit laïrqon. Il a dit ils ne font pas de ruqya. La yirqoun wa la yaktawoun, naam, wa la yatatayaroun ala rabbihim yatawakkalun. Il a dit quoi? La yirqoun, ils ne font pas de ruqya. Ça c'est où? Ça c'est dans Sahih Muslim. Et dans le Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les 70 000, il les a qualifiés, il a dit les mêmes qualificatifs, la yatatayaroun, naam, ala rabbihim yatawakkalun, la yaktawoun. Mais au lieu de dire la yirqoun, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la yasterqoun. L'esterqon, ça veut dire il ne demande pas la ruqya. Ça, c'est dans Bukhari. Et dans Muslim, il a dit ils ne font pas la ruqya. Il y a une grande différence entre celui qui l'a fait et celui qui la demande. Celui qui l'a fait, c'est permis. Tu es en train d'aider les gens. Mais celui qui la demande, c'est pas bien. Parce que tu as laissé le tawakkul et tu es allé demander aux gens de te soigner. El bohème, les savants ont dit c'est permis si c'est dans la daroura. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, le mot, l'aïstirqoun se trouve dans le Bukhari. Il ne demande pas ruqya. Et l'aïrqoun se trouve dans le Muslim. Ils ne font pas ruqya. Cheikh Al-Albani a dit faible. Malgré dans Sahih Muslim. Pourquoi? Il a contrarié Sahih Al-Bukhari. Faible. Autre exemple. Le hadith très connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a sept gens, ou les sept sortes de gens, naam, que Allah azza wa jalla va mettre sous son ombre, lorsqu'il n'y aura d'ombre que son ombre. Très connu. Sab'atun, yudlilhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhum. Très connu. Parmi ces sept, qu'a cité le Bukhari? Il a dit, dans le cinquième ou le sixième, il a dit, et un homme, ça veut dire un homme ou une femme, la même chose, quelqu'un, une personne. Personne, qui va faire l'aumône de la main droite et la cacher au point où sa main gauche ne le saura pas. Ça, c'est dans Bukhari. Dans Muslim, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, frère, et une personne va faire l'aumône de sa main gauche au point où sa main droite ne le saura pas. Les savants ont dit quoi? Zaïf, faible, chaise. Pourquoi? Parce qu'il a contrarié ce qu'il y a dans le Bukhari. Le Bukhari a dit, c'est sa main droite qui a donné, sa main gauche qui l'a pas su. Naam, contredit, naam. Et l'autre a dit que c'est sa main gauche qui a donné, et sa main droite ne l'a pas su. C'est pas possible. Tout le monde sait que la sadaqa se fait avec la main droite mieux que ça soit avec la main gauche. Al-Muhim. Tout ça pour dire, donc, l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, c'est quoi? C'est que c'est très facile. Le hadith qui a dit que Allah Ta'ala avait la main gauche, c'est un hadith faible. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que Allah Ta'ala n'a pas la main gauche, donc. Il reste l'autre hadith. Les deux mains d'Allah sont droites. Comme dans le hadith authentique. Les deux mains de droite, d'Allah Azzawajal sont la droite. Terminé, pas de problème. D'autres ne sont pas de cet avis. Qui, par exemple? Cheikh Ibn Uthaymin. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez ce qu'il dit. Naam. Cheikh Ibn Baz.
Non, Blouben, je ne l'ai pas cité, rahimahullah. Je ne l'ai pas cité. J'ai cité Cheikh Al-Albani qui a dit le hadith est faible, il n'y a pas de problème. Donc, Allah Ta'ala a seulement la main droite et les deux mains sont droites. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, Naam Smaïl. L'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, qui a dit c'est très simple, on peut grouper entre les deux. Et dire, il a dit ici, il a dit lorsque le prophète a dit que ses deux mains étaient la droite, Naam, il voulait dire. Yamin du mot l'yumnu al-baraka. Yamin, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, ça ne veut pas dire droite. Ça veut dire, vient du mot yumn ou al-baraka, la baraka. Naam. Il a dit, li alla yadhun, naam, al-dhan, annahu idha tahaddatha an ukhra, fa hiya naqisa. Il a dit, lorsque le prophète, quand il a dit ses deux mains, son droite, Naam, qui est le mot venant de Baraka, Naam, il a dit, peut-être qu'une personne va dire donc, Naam, peut-être l'autre main, Naam, elle est, disons, naqisa, elle est imparfaite. Car il dit ici, il dit que, comme nous, par exemple, les êtres humains, si quelqu'un, bon, on a tous deux mains, celui qui est droitier, par exemple, sa main gauche est faible par rapport à la droite. Et celui qui est gaucher, sa main droite est faible par rapport à la gauche, tout le monde sait ça. Il a dit alors pour enlever toute, toute illusion, le prophète a dit que ses deux mains sont la droite. Sinon, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah Ta'ala a la main gauche. Et le hadith se trouve dans Sahih Muslim. Mais il a dit que le prophète a dit que toutes les deux sont la droite. Pour que tu n'aies pas d'illusion dans tête que puisque la gauche comme nous. Donc la gauche c'est un peu faible par rapport à la droite. C'est pour ça que l'autre hadith dit non. Voilà l'imperfection. L'autre hadith dit non. Toutes les deux sont droites. Ça veut dire c'est pas la peine d'imaginer que la gauche d'Allah Ta'ala est imparfaite par rapport à la droite. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, et il y a une qaïda, une règle qui dit tant qu'on peut grouper entre les dalils, on n'a pas le droit de dire l'autre hadith est faible et chède. Je crois, Wallahu ta'ala alam, qu'il fait allusion à Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Wallahu ta'ala alam. Naam. Ensuite, il a dit, l'Illah subhanahu wa ta'ala asabi, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a des doigts? Naam. Naam. Et Cheikh dit, Naam. Ou bien on va dire que la main, puisque Allah ta'ala a la main, alors ça veut dire qu'il a automatiquement les doigts. Cheikh dit, non. Les doigts, yani, sont cités dans d'autres hadiths authentiques. D'autres hadiths authentiques. Et il a cité, par exemple, le hadith que je vais citer ici, très connu, que vous savez tous, par exemple, qui dit, une seconde, je cherche le hadith. Voilà, celui-là. قلوب بني آدم بين أسبوعين من أصابع الرحمن. Les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux doigts parmi les doigts du Tout Miséricordieux. Donc, sont entre deux doigts parmi les doigts. Donc, Allah Azza wa Jal, yani, a les doigts, l'attribut des doigts. Et ce n'est pas parce que Allah Ta'ala a l'attribut de la main qu'on dit que automatiquement donc il a l'attribut des doigts. Non. Il peut avoir la main et ne pas avoir deux doigts. Non. Mais les doigts, yani, sont cités dans des hadiths authentiques. C'est pour ça qu'on dit qu'il a les doigts. Ils sont cités dans des hadiths authentiques. Non. Comme celui-là. Les cœurs, non, des enfants d'Adam sont entre deux doigts parmi les doigts du Tout Miséricordieux. Ensuite, il y a autre chose, non. Ensuite, Cheikh commence à parler de certains gens qui disent que, yani, enfin, il parle des Asha'ira et des Mubtadi'a qui disent que, comment se fait-il que nos cœurs sont entre deux doigts, yani, deux doigts des doigts d'Allah Azzawajal, alors que moi je ne ressens pas dans mon cœur, je ne ressens pas les doigts d'Allah. Vous savez ce que disent les négateurs? Il te dit, s'il y avait les doigts, si mon cœur était entre deux doigts des doigts d'Allah, pourquoi je ressens des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala dans mon cœur. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a cité
Ah, mais ils disent aussi, on va leur citer le hadith ou bien le verset qui dit, Ya ayyuhalladhina amanu wa Al-Anfal 24. Regardez ce verset. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager. Non. Répondez en appliquant. Lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Taïb. Donc, premièrement, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, ce verset. Qu'est-ce qui s'est dit dans ce verset? Sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Est-ce que toi, dans ton cœur, tu sens qu'il y a Allah dans ton cœur? Tu sens qu'il est interposé entre toi et ton cœur? Tu sens pas. Et pourtant, Allah s'interpose. Donc, c'est pas parce que on sent pas qu'on nie la chose, on dit que ça n'existe pas. Non. Donc, quand ils disent que, puisque je sens pas que les doigts, ce ne sont pas les doigts d'Allah Azzawajal. Yani, ce sont pas mon cœur entre les doigts d'Allah, donc il n'a pas de doigts. Ce n'est pas vrai. Donc, dans ce cas, on va dire aussi que Allah Ta'ala s'interpose pas, il n'y a pas. Alors qu'il a dit qu'il s'interposait entre l'homme et son cœur. Non. Ensuite, une très importante ici. Chauffe. Ô vous qui croyez, Ya'iyuhalladhina amanu. Stajibu, c'est-à-dire. Répondez, hein? Répondez dans le sens de obéissez, obéissez. Naam. Faites ce que je vous dis, hein? Ce que Allah Ta'ala vous dit, et son messager, lorsqu'il vous appelle, lima yuhyikum, à ce qu'il vous donne la vie. Naam. Naam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une des deux choses. Ou bien il parle de cette vie, ou bien il parle de l'autre. S'il parle de l'autre, c'est clair. Donc, il te demande de répondre, naam, à l'appel d'Allah, son messager, car il te veut l'autre vie. Car en répondant et en faisant ce qu'il te demande, naam, Allah et son prophète, tu auras comme gratification, tu auras le paradis, alhamdoulillah. La vraie vie, l'autre vie. Naam. Ou bien il parle de cette vie, alors dans ce cas, ça veut dire que toute personne qui ne répond pas à l'appel d'Allah, au messager, dans cette vie, c'est une personne qui ne vit pas, elle est morte. Non. Et c'est seulement quand elle répond à, yani, commence à appliquer l'islam, qu'elle commence à vivre. C'est pour ça que demandez aux reconvertis, ils vous diront. Ils vous diront, subhanallah, on était des morts. Et c'est quand on a embrassé l'islam qu'on a senti qu'on a revu de nouveau. Pas seulement les reconvertis, nous tous. Si on est vraiment dans la déviance et de l'autre côté, yani, vraiment loin. Ensuite, tu commences à ce qu'on appelle l'istiqama. Tu commences à t'investir, à pratiquer, à prier à l'heure et à lire le Coran, à t'interdire l'alcool, le zina, le mensonge, ceci, cela. Ah, tu commences à ce pas-là, tu dis, c'est une autre vie. Même les gens vont témoigner, ils vont dire, subhanallah, telle personne, comment qu'elle a changé. Mais c'est vraiment une autre personne. Ce n'est pas celui-là, yani, Omar ou là qu'on a connu. Ça, c'est une autre personne. Carrément changé. Non, carrément, carrément. Pourquoi? C'est une autre vie, une nouvelle vie. La première vie, c'était la vie des animaux, la vie des ténèbres, de l'obscurité, des bid'a, des khurafat, des coffres, des femmes. Maintenant, c'est la vie de la lumière, la vie, yani, de l'islam, la vie du Coran et de la Sunna, la vie du paradis, Inch'Allah. Non. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Une nouvelle naissance. Non, une nouvelle naissance. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, conclusion, c'est quoi? Allah Subhanahu wa Ta'ala a l'attribut de la main. L'attribut de la main, il a deux mains. Il a deux mains. Non. Et ou bien on dit que, yani, il a seulement la droite, d'après le hadith, ses deux mains sont droites. Ou bien on dit comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, qu'il a la gauche, d'après le hadith de Sahih Muslim. Mais la gauche, c'est pas comme notre gauche qui est faite par rapport à la droite. Non. Et l'attribut des doigts aussi, l'attribut des doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut des doigts. Non. L'attribut des doigts,
J'ai pas voulu y chercher, mais il y a des hadiths aussi, d'autres hadiths, comme un hadith très connu, le hadith du juif, ça s'appelle le hadith du juif, qui est venu vers le prophète et qui lui a dit que si tu es Mohammed, que Allah Ta'ala, yom qiyama, il va mettre les cieux sur un doigt, la terre sur un doigt, les montagnes sur un doigt, et ce qu'il a ajouté sur un autre doigt. Et le prophète n'a pas pu se retenir de rire tellement il a vu que ce qu'il avait dit était vrai. Ce juif connaissait des doigts, sait que Allah Ta'ala a des doigts. Il a dit Allah Ta'ala va prendre la terre sur un doigt, le ciel sur un doigt, et comme ça, subhanallah al-azim. Comme j'ai dit tout à l'heure, les juifs connaissent certains attributs. Tu vas prendre un musulman, tu lui dis Allah Ta'ala a la main, il te dit il n'a pas la main. Tu lui dis, il a les doigts. Tu lui dis, c'est impossible. Tu l'as ressemblé à des hommes, à l'être humain. Tu as dit, il a des doigts. Alors, ce juif a su que Allah Ta'ala avait des doigts, subhanallah. Donc, c'est notre djehl. C'est notre ignorance qui fait qu'on renie des choses comme ça. Subhanakallahumma wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Quand vous êtes prêts, dites-le-moi, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. On commence Allah Ta'ala la première question. Tafadhal Mahmoud. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ. Donc nous allons commencer par la première question qui est une question d'une sœur qui demande. Donc la sœur demande Aqida, non Afwan. Oui, donc je souhaite savoir par rapport à ce hadith, notre Seigneur s'étonne de ses serviteurs qui perdent espoir alors que leur situation est sur le point de s'améliorer. Il vous regarde lorsque vous êtes complètement désespéré et sourit. Il sait que votre délivrance est proche, rapporté par Ibn Majah et Ahmed. Est-ce correct ou c'est une mauvaise traduction? C'est-à-dire que c'est est-ce que Allah l'attribue du rire et du sourire ou seulement du rire? Barakallahu fik cheikh wa jazakallahu khayran. Tafadhal cheikh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل on lui attribue aussi, le qualificatif de Yubashbish. Yubashbish, c'est, il a dit comme l'un de vous, quand il revoit un parent, par exemple, qui est revenu de voyage. Quelqu'un qui revoit, quelqu'un qui est revenu du voyage. Puis longtemps qu'il ne l'a pas vu, donc il a ce sourire avec cette joie. Donc ce hadith est authentique. Bin Azzawajal, il y a cette joie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste spécialement pour le sourire. Donnez-moi une seconde pour voir ce hadith en arabe. Pour voir ce hadith en arabe, ce qu'il a dit. Une seconde. Parce que maintenant, j'ai pas dans la tête comment on dit le sourire en arabe. Une seconde. Alaykoum. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Donc, dans le hadith que j'ai vu en arabe, c'est écrit le rire. Zahika arbona. Zahika. Ce n'est pas écrit le sourire, mais cette sorte de sourire que j'ai cité. C'est dans un autre hadith, l'attribut de, comme j'ai dit une fois, Yubashbish. Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est comme il a dit, comme quelqu'un, parmi vous qui revoit, quelqu'un qui est parti en voyage, ça fait pas longtemps qu'il a revu, cette joie et ça, cette chose, il a Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jazakallah khayran, barakallah fik, cheikh. Donc on va passer à la deuxième question. Lila, si ça ne va pas au niveau de cette deuxième question, parce qu'elle était un petit peu. Ouais, donc c'est OK. Donc, alhamdoulilah, donc la deuxième question, c'est comment répondre à un non-musulman qui dit que c'est pas Allah
qui aident, mais ce sont les gens par leur volonté. Donc la personne dit, c'est un non-musulman, il dit que ce n'est pas Allah, pour lui dit Dieu, qui aide, mais ce sont les gens par leur volonté. Tfadal Yachir, et c'est un non-musulman, je précise. Tfadal Yachir, wa jazakallahu khairan. Non, si c'est un non-musulman, c'est pas la peine de se fatiguer avec lui. Parce que pour lui, il n'y a même pas peut-être Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui aide. Donc il ne connaît rien des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment lui expliquer que tout est régi par Allah? Une personne ne peut rien faire sans l'aide d'Allah. Et tout ça, mais ces choses, il ne peut pas les comprendre. Il te dit non, je peux faire ce que je veux. Maintenant, je peux même suicider, m'ôter la vie. Je peux tuer la personne qui est en face de moi. Je peux aller au bar, je peux aller au danser. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Donc c'est très difficile à lui expliquer. Mais avec un musulman, là, on lui expliquerait et on lui citerait les versets et les hadiths. Mais un non-musulman qui ne croit pas du tout en cela, c'est très difficile. Là, tfadl. Naam, jazakallah khairan wa barakallah fik ya cheikh. Nous allons passer à la troisième question, question d'une sœur qui demande, peut-on prier dans un endroit ou bien vers un endroit dans lequel il y a de l'alcool et du porc, comme par exemple dans un local dans lequel il y a un frigo qui contient ces aliments et vers lequel on prie. Barakallah fik ya cheikh wa jazakallah khairan. Tafadhal. Peut-on prier vers un endroit dans lequel il y a de l'alcool et du porc, comme par exemple dans un local dans lequel il y a un frigo qui contient ces aliments et vers lequel on prie. Barakallahu fikoum. Non, je n'ai jamais vu une question pareille, yani, ni je l'ai jamais lu, ni lu, yani, le hukm, le jugement de cela, le jugement de cela. Entre parenthèses, maintenant je viens de me rappeler que il y avait deux questions auxquelles je devais répondre, mais maintenant je me rappelle que personne ne m'a rappelé. Donc même les deux questions, je ne sais plus du tout, yani, ce sont, yani, quelles sont les questions. Et je vous avais demandé de voilà, Abdelaziz n'a pas envoyé, n'a rien envoyé. Non. Donc, c'est entre parenthèses. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Non. Une personne, quand elle prie, elle essaye de prier vers une chose qui, par exemple, ne la rend pas distraite. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a prié dans un qamis, naam, qui avait comme ça des couleurs. Et dès qu'il a terminé la salat, il a dit, j'enlève ce qamis, allez me ramener un autre qamis, le qamis de Abi Jahm, pas Abi Jahl, avec L, avec M, Abu Jahm. Naam. Al-Muhim. Et il a vu aussi comme ça des dessins dans un drap comme ça qui recouvrait la porte. Il a dit à Aïcha, yani, ça m'a distrait dans la salat. Al-Muhim. Donc la personne, quand elle prie, elle essaie de prier toujours, yani, dans un endroit où il n'y a pas, quand elle dit Allahu Akbar, il n'y a pas des choses en face d'elle qui peuvent la distraire. Maintenant, si elle va prier en face du porc ou de l'alcool ou là, d'où ça ne va pas, ça va lui annuler sa salat. Sa salat n'a rien à voir avec ça. Sa salat, c'est de dire Allahu Akbar, de s'incliner, de se redresser, de se prosterner, de dire Al-Adhkar et terminer par dire Salamu alaikum. Mais ça risque de la distraire, et de dire donc je suis en train de prier en face de l'alcool, en face du porc, en face de ceci, en face de cela. Naam, c'est pour cela que c'est mieux de s'éloigner. Mais si elle ne trouve pas, par exemple, que cette place où prier, sa prière est valide bi'idhnillahi ta'ala. Tfadl. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik ya cheikh. Donc nous allons passer à la quatrième question, question d'une sœur qui demande, que doit faire celui qui a raté une ou plusieurs raka avec l'imam? Doit-il faire les deux prosternations de distraction après avoir rattrapé là ou les raka qu'il n'a pas faites? Tfadhal ya cheikh wa jazakallahu khairan. Que doit faire celui qui a raté une ou plusieurs rakats avec l'imam? Doit-il faire les deux prosternations de distraction après avoir attrapé là où les rakats qu'il n'a pas fait?
Ça m'étonnerait comment une personne puisse rater deux. J'ai pas compris que veut dire ici la personne. Peut-être qu'elle est en train de dire que. Naam, Mahmoud, je te donne le micro. Ah, voilà, il arrive en retard à la mosquée. D'accord. Moi, je croyais qu'il était derrière l'imam, mais qu'en même temps, il a raté des rak'as. Ça, c'est pas possible. Bon, s'il arrive en retard, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape les rak'as qu'il n'a pas prié, et il ne fait pas de prière prosternation de distraction. Il ne fait pas de prosternation de distraction. Il termine seulement ce qui lui manquait comme rak'at qu'il n'a pas fait avec l'imam. Naam. Tfadhal. Naam, jazakallahu khairan al sheikh. Donc là, on va passer à la question suivante. Question numéro 5, question d'une sœur, qui est un petit peu farfelue, parce que, bon, khair, inshallah, vous allez comprendre pourquoi, cher. Au sujet des annulatifs des ablutions, toucher ses parties intimes avec autre chose que ses mains annule-t-il les ablutions? Par exemple, toucher avec son pied, son coude. Donc c'est pour ça que je la trouve un peu farfelue. Tfadhal ya sheikh, jazakallahu khairan. Ça n'annule pas les ablutions, même avec sa main. Si quoi? Si, yani, en touchant, la personne n'a pas ressenti des choses. Voilà, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir. C'est comme si une personne, par exemple, juste est en train de se laver ou bien, sans aucun désir. Mais si elle touche ses parties intimes avec désir, ça enlève les ablutions. Sinon, sans désir, Inch'Allah Ta'ala, c'est la ville de Cheikh l'Islam, c'est la ville plus forte, Inch'Allah Ta'ala, et aussi de Cheikh l'Albani, que ça, yani même avec sa main, s'il n'y a pas de désir, ça n'annule pas, bi'idhnillah Ta'ala. Comment toucher avec son coude? Allahu A'lam, peut-être en faisant un mouvement, où là, la personne a dû toucher avec son coude. Peut-être en faisant un mouvement. Salam alaikum. Mahmoud, tfadhal. Non, monsieur, je passe à la question suivante. Question numéro 6, numéro d'une sœur. Barakallahu pour le temps que vous consacrez à la Ummah ainsi qu'aux Amin. Puisse Allah vous augmenter en science. Amin. Je voulais savoir si les prosternations de distraction peuvent se faire bien après la prière. Si je me suis souvenu plusieurs heures après la prière, par exemple, est-ce que je refais la raka lorsque j'ai oublié un pilier ou je recommence ma prière? تفضل يا شيخ وجزاك الله خيرا. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, a dit que, yani, pour réparer sa salat, yani, ajouter par exemple la raka'a et faire les prières de prosternation, il a dit il faut pas que ça soit plus de 5-10 minutes, maximum. Il a pris, comme ça s'est passé au temps du prophète, alayhi sallam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, alayhi sallam, a prié 2 au lieu de 4, ou bien salat dhuhr, ou bien salat l'asr. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'asseoir en s'adossant contre le minbar. Ensuite, quelqu'un est allé lui parler. Il dit, Ya Rasulallah, il s'appelle Douliyeddin. Qasourat salat, qu'est-ce qui s'est passé? La salat s'est raccourcie. Il a dit, pourquoi? Il a dit, tu as prié 2 rak'at seulement. Il s'est retourné vers les gens. C'est vrai que j'ai prié seulement 2 rak'at? Il a dit oui. Il s'est levé, il est allé continuer, faire prière de distraction. Donc, combien ça a pris? 5 minutes. Maximum. Une fois, il est même sorti dans la rue, il l'a appelé, il est revenu et a terminé sa salat. Maximum, disons, 7, 8 minutes. Nam. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Peut-être jusqu'à 10, peut-être. Mais si la personne reste 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, qu'elle a parlé, elle a discuté, elle a ri, elle a mangé, elle a joué, ensuite elle va se souvenir, c'est trop tard. Elle va refaire la salade de nouveau. Nam. Tfadhal. Ah, mes chers, jazakallah khairan, wa barakallah fik. Nous allons passer à la question suivante, question numéro 7, question d'un frère qui demande. Donc, vous avez, cher, vous avez parlé de la raqiya et du tawakkul.
Qu'en est-il de celui qui pratique Ruqya à plein temps et fait de la Ruqya son métier? Ceci est-il légiféré? Hafidhakumullah ya Cheikh. Tafadhal ya Cheikh wa barakallahu fik. Les savants al-Sunna al-Jama'a, les muhaqiqoun, ont dit que yani, ça rentrait même dans la bid'a. Ils ont dit que yani, al-Sunna al-Jama'a ne font pas ce métier comme raqi. Mais ils font ça par besoin. Et yani, quand quelqu'un est dans le besoin, est dans la nécessité ou là, ils demandent rien, ils lui font. Mais ouvrir comme ça yani, un magasin ou là, spécialement pour la ruqya, ça rentre dans les bid'a. Et un salafi ne fait pas ça, il ne le fait jamais. Pourquoi? D'un côté, ça éloigne de la demande de la science. Tu n'as plus le temps de lire, pas un livre de science, de lire yani, un verset, deux versets, tu n'as pas le temps de lire. Tu es tout le temps dans la rue, à droite, à gauche, en train de courir, par-ci, par-là. Deuxièmement, on a vu et on voit, et je ne sais pas en français c'est comme ici ou là, mais yani, comment quelqu'un commence par faire la ruqya, ensuite il ne peut plus arrêter sa vie. Classe. Il commence à, il a goûté à la douceur de l'argent. L'argent qui rentre comme ça, à flot, sans se fatiguer, juste il lit comme ça quelques versets, et alhamdoulilah. Il y en a même qui demande d'avance. Tu achètes d'abord le billet ou le ticket et tu attends la chaîne. Il y en a même qui vendent quoi? Vendent de l'eau. Te vendent de l'eau, subhanallah l'adhim, il te remplit la bouteille d'eau, là il achète lui une bouteille, par exemple, je sais pas, 50 dinars. Juste il lit ce que tu peux lire toi. Il lit le Fatiha et le Kursi. Et la bouteille qu'il a acheté 30 dinars ou 50, il te la vend 100 ou 200 dinars. Subhanallah l'adim. Comment, pourquoi qu'elle ne coûte que 30 dinars? Eh oui, mais elle est coranisée. Allah ibarak, elle est coranisée. Il a lu un Coran spécial qui est descendu sur lui seulement. Pas sur nous. On ne sait pas lire nous être coursé ou le Fatiha et qu'on a de berbnes. Je ne sais pas les lire jusqu'à ce qu'il me vende moi ces versets. Il va me les vendre. Non. Ensuite, il commence à vendre n'importe quoi. Alors, l'huile d'olive, il va lire dessus, il va te vendre la petite bouteille, je ne sais pas, 150 dinars. Pourquoi? Parce qu'elle est coranisée. Ensuite, il va prendre un peu de miel, il va lire dessus, il va te le vendre. Trois fois le prix. Ensuite, la nigelle ou la comment ça se fait, il va lire dessus, il va te la vendre. Et comme ça. Et il y en a qui, attendez, je cherche le verbe hadak, il te force, presque il te force. Il te dit, tu dois prendre un mélange de ceci, cela. De miel, de nigelle, d'huile d'olive, et d'eau coranisée, de je ne sais quoi. Et tu sors avec, je ne sais pas combien, tu sors avec, et en Algérie chez nous, tu sors avec 200 000 ou 300 000 centimes, équivalent de machaf chez vous, 30 euros, les 50 euros là, subhanallah l'azim. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que je peux faire, c'est lire un peu de Coran, c'est tout. Je prends le livre, je l'ouvre et je lis sur la personne. Personne ne m'oblige à lire de ce que j'ai appris. J'ouvre le livre et je lis. Là, j'ai fait ruqya à la personne. Et il y en a maintenant qui font des ruqya, comment ça s'appelle? Maintenant, c'est à la mode, ruqya, comment on dit, ruqya en groupe. Au moins s'ils se fatiguent avec toi. Non, pas seulement toi, vous êtes en groupe, 10, 15. Et maintenant, avec même le haut-parleur. Et maintenant, même avec le casque sur la tête, femme, et il commence à lire et tout le monde entend. Des wahdel moseba, vrai moseba. Je dis, la plupart des raqis, jusqu'à 97-98%, sont des escrocs. Je le dis. 80-90% sont des escrocs. 10 ne le sont pas. Et les 90, c'est pas obligé. Dans leur cœur, ils ont dit, oh, je vais escroquer les gens. Non. Mais ils le font même sans le vouloir et sans le souhaiter.
Il tombe dans ça. Il tombe dans ça. Non. Il prend maintenant n'importe qui fait la ruqya. N'importe qui. Il connaît quelques versets. Et il dit, Subhanallah al-Azim, c'est le gain facile. Moi, je ne savais pas, il dit que c'est comme ça. Wallah al-Azim, qu'il y a des gens, et la plupart, hein, qui font la ruqya, qui sont maintenant avec yani, les dernières voitures, et les villas. Les villas, ce n'est pas les appartements. Les villas et les dernières voitures. Nous, on a quelqu'un ici, miskine, un imbécile, comme il a dit l'autre, un idiot. Non, il a commencé à faire la ruqya. Il s'est marié, ensuite il s'est marié avec une sœur. Il lui a mis une blouse blanche. Il lui a dit, toi aussi tu m'aides. Elle de l'autre côté dans l'autre pièce. Et lui dans sa pièce. Ruqya et hijama. Ruqya et hijama. Ruqya et hijama. Non. Et maintenant, ils sont devenus des milliardaires. Tu n'as pas le temps et tu n'as pas. Tu veux prendre un rendez-vous, tu n'arrives pas. Il n'y a pas de rendez-vous. Subhanallah, l'azim, la ilaha illa, des juhal, des juhal. Des juhal qui ne connaissent rien. Il n'y a rien dans le din. Aide la personne dont je suis en train de vous parler. Il a dû faire quelques cours comme ça, Zama. L'âme, il est venu à la télé faire quelques cours. Hop, on l'a arrêté. On lui a dit, subhanallah, toi, tu dis n'importe quoi. Ils l'ont arrêté. La ilaha illallah, ce que font yani, les raqis aujourd'hui. La ilaha illallah. En train d'usurper yani, l'argent des gens, d'extirper leur argent. Naam, yani, ça va être très difficile pour quelqu'un qui est venu mesquin avec sa niya, croyant que yani, il allait guérir, alors que toi, ton but, c'est juste de lui prendre l'argent. Juste de lui prendre l'argent et de t'enrichir sur son dos. T'enrichir sur son dos. Et tu lui dis, voilà, cette eau est coranisée. Coranisée, moi, je sais pas lire le Coran jusqu'à ce que tu lises toi à ma place. Je peux pas prendre moi une bouteille d'eau, hein, et cracher dessus et lire Ayat al-Kursi, et dire, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite de faire des doigts, Allahumma shfini, Allahumma rabbin nas, dhib nas, dhib al-bas ou shfini, ta shafi, la shifa ila shifa'ak, shifa an la yughadiru saqaman. Non, ou bien de dire carrément Yarbi Shfini, Yarbi Shfini, Yarbi Shfini. Et non, jusqu'à ce que tu viennes, toi, Yanni, pour faire. Si au moins, au moins, au moins, toi le Raqi, au moins si tu étais connu comme quelqu'un, Yanni, de pieux, un savant, enfin, Cheikh Fawzan va me faire une ruqya. Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, va me faire une ruqya. Ibn Uthaymeen, il est vivant, il va me faire une ruqya. Au moins, là, j'espère. C'est un pieux, c'est un savant, c'est un. Peut-être qu'Allah va lui exaucer ses vœux. Moi, je vais quelqu'un, un djehl, quelqu'un qui ne prie même pas à l'heure, quelqu'un qui. Il y a Wallah el-Azim, qu'il y a des raqis qui ont fait la zina avec des femmes qui sont venues pour faire la ruqya. Wallah el-Azim, que ce que je vous dis est vrai. Non. C'est pas la peine de rentrer dans les détails, c'est tout. Qu'Allah Ta'ala nous protège. Qu'Allah Ta'ala nous protège. Tafadhal, autre question. Cher, pour revenir à ce sujet-là, je vous ai marqué, n'est-ce pas, une faiblesse de la foi et du tawakkul de demander la ruqya aux autres comme demander de nous faire des doigts? Est-ce que ça fait pas partie de la faiblesse de la foi et du tawakkul de demander ça aux gens? Tafadhal, cher, jazakallah. Celui qui peut ne pas demander est mieux que celui qui va demander. Celui qui peut ne pas demander est mieux que celui qui va demander. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les sahabas lui ont fait l'allégeance de n'adorer qu'Allah et comme ça, hein, quand ils voulaient rentrer en islam, quand ils sont rentrés en islam, ils sont fait, dans l'allégeance, ils ont dit aussi que quoi? Il leur a dit que vous ne demanderiez rien et quoi que ce soit à autrui. Rien, rien. On ne demande rien aux gens tant qu'on peut, tant que cela est possible. C'est pour cela que la ruqya, j'essaie de me faire ruqya à moi-même. Je lis à moi-même maximum, je fais à mon épouse ou là c'est elle qui me fait ou là. Maximum. Non. Car, pour ne pas sortir du hadith des 70 000 qui vont rentrer au paradis, non, sans passer par l'enfer. Mais si vraiment la personne est dans la daroura, c'est permis. Ce n'est pas yani, interdit à ce point. Si la personne est dans la daroura, elle le fait, mais elle n'exagère pas.
laisse le tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme certaines femmes ici, ou là, les jahilat, ou là, les, une fois par semaine, ou là, deux fois par semaine, ruqya. Elle va chez les gens. Deux fois par semaine, elle va chez le raqi. C'est quoi ça? Une fois dans la vie, deux fois, ça marche comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tfadal. Jazakallah khairan, j'ai pas compris par rapport à ce que tu as écrit, Inch'Allah. C'est par rapport à quoi entrer au paradis sans jugement, mais chez plutôt. Pourquoi Cheikh avait dit quelque chose d'autre? Inch'Allah. Donc on va. D'accord, par rapport aux 70 000. Inch'Allah, Cheikh, on va poser, Inch'Allah. Non, mais Inch'Allah, pour le whisper, Ibnila, la sœur qui a dit ça, Ibnila, elle nous ramène juste où c'est dit pour qu'on puisse voir si c'est une erreur ou pas. Parce que moi, je n'ai jamais entendu ça. Donc, ça serait le mieux, c'est de nous ramener ça, comme ça, Ibnila, s'il y a une erreur, on fera ce qu'il y a à faire, Ibnila. Donc, on va passer à la question suivante, qui est la dernière question, la chère. Donc, c'est la question d'un frère qui dit, dans la mosquée où je prie, il y a des images d'âmes sur les livres. Donc, il y a des images d'âmes sur les livres. Je n'ai pas la capacité de changer cela par la main, car j'ai déjà eu des accrochages avec le responsable de cette mosquée, entre parenthèses, qui déteste la salafia. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire en France, je ne voudrais pas qu'il m'arrive des problèmes. Justice, enquête, JPN, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux prier dans cette mosquée malgré la présence de ces images? Mahmoud, vous m'entendez ou je suis déconnecté? Tfadal Mahmoud, c'était quoi la question? Donc la personne dit, dans la mosquée où je prie, donc c'est en France, dans la mosquée où je prie, le frère demande, il y a des images d'âmes sur les livres. Je n'ai pas la capacité de changer cela par la main, car j'ai déjà eu des accrochages et des problèmes avec le responsable de cette mosquée, entre parenthèses, qui déteste la salafia. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, je ne voudrais pas qu'il m'arrive des problèmes. Parce qu'en France, avec la justice et les enquêtes, et ainsi de suite, question, est-ce que je peux prier dans cette mosquée malgré la présence de ces images? Non, ces images sont dans des livres. Non, si je comprends bien, il a dit. Non, des images, non, dame, il a dit, je vais voir sur les livres. Non, ça n'a rien à voir avec ta salat. Ça n'a aucune relation avec ta salat. Ce que tu peux faire ici au maximum, c'est de dire à l'imam, de lui dire, voilà, il y a des livres, où il y a des images, si on pouvait les cacher ou bien les recouvrir ou bien. Non, maintenant, s'il accepte la nasiha, il fait ça. Alhamdoulilah, il n'accepte pas. C'est lui qui est responsable du qiyama de sa mosquée. C'est yani, le comité, etc. et les imams qui sont responsables de cette mosquée. Toi, ta fonction, c'est seulement de parler si tu peux parler. C'est pas comme ça, se lever et dire, il y a ceci, il y a cela. Mais parler yani, en tête à tête avec l'imam. Et de lui dire voilà ce qu'il y a. S'il accepte de changer, alhamdoulilah, il n'accepte pas, toi tu n'as rien à voir. Ta salat, inshallah ta'ala, est valide, il n'a rien à voir avec ce qui vient, yani, et qui n'est pas de ta cause, bi'idhnillahi ta'ala. Dame. Sinon, yani, personne n'irait yani, prier à la mosquée alors que je n'ai rien fait. Ce sont les gens qui. C'est comme par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, moi là où je prie, par exemple, là où je prie, il y a des. Dans la mosquée où je prie, il y a. Dans les fenêtres, etc., il y a accroché des. Comment ça s'appelle? Des chapelets. Et les chapelets, c'est. Cheikh Temin a dit, c'est le chiar des Moubtadia. C'est l'un des signes des Moubtadia. Même le chapelet, c'est pas moi qui l'ai accroché. C'est pas moi qui suis venu avec. C'est l'imam le voit et ne l'enlève pas. Donc c'est lui qui va, Yom Al-Qiyamah, rendre des comptes. C'est pas moi. C'est pas le. La bid'a du chapelet qui va, comment dirais-je, qui va m'empêcher d'aller prier là-bas. Surtout que
Surtout que la plupart des mosquées sont bid'a. Sinon, la personne va prier à la maison. Non, va prier à la maison. Autrefois, au temps des salafs, Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, des fois, il rentrait dans la mosquée, il ressortait. On lui dit pourquoi? Il disait, la bid'a m'a fait ressortir. Déjà, au temps de Abdullah ibn Omar, il y avait des bid'a dans les mosquées. Mais quand il a dit la bid'a m'a fait ressortir et il sortait pour aller vers une mosquée où il n'y a pas de bid'a. Maintenant, la plupart des mosquées, c'est plein de bid'a. Et la plupart des imams ne sont pas sur la droiture. Ce sont des ashaïra, sont des... C'est pour ça qu'on m'a dit, Cheikh Rabi, il a dit, si maintenant on ne va pas prier derrière ces imams, khlas, on va tous prier à la maison. Sachant que 90% des imams dans le monde musulman, 90% des imams ne sont pas sur le minhaj. 90 sont sur le madhab ash'ari ou autre, ou soufi, ou bien toroqi, ou bien... Non. Donc la personne va rester à la maison, ne va pas prier, va dire je vais prier à la maison. Non. Ça me rappelle aussi que l'imam Ahmed est sorti dans une janaza, on lui a dit que... Il y avait des moubtadi'a qui sont venus aussi yani, dans le cortège. Il a dit comment, yani, donc un moubtadi'a ou bien la bid'a d'un moubtadi'a va m'empêcher de faire yani, une obligation d'aller dans le cortège funèbre. À cause de X et de Y, je vais pas moi. C'est lui qui doit pas venir, c'est pas moi. Voilà, inshallah ta'ala Mahmoud pour aujourd'hui. Est-ce que tu as une chose, je te donne le micro pour terminer, inshallah ta'ala, tfal. Cheikh, barakallahu fik, wa jazakallahu khairan. La seule chose, attendez, j'ai un truc. Donc, Cheikh, par rapport à la prière surérogatoire, donc on me demande juste une, si on peut faire les prosternations de distraction pour les surérogatoires, si on a fait trois soujouds au lieu de deux, par exemple. Tfadal, Cheikh, jazakallahu khairan. Normalement, que ce soit surérogatoire ou le fard, c'est pareil. C'est le même truc, mais Allah a l'intérêt de Cher, vous ne m'avez pas entendu, peut-être? La chair, elle a été déconnectée. Allez, Inch'Allah. On va patienter si Cher revient. Autrement, bon, ça sera fini pour ce soir. Voilà pour l'invité. Mahmoud, est-ce que tu es là, Mahmoud? Tu as terminé, Mahmoud, tu as terminé. Si oui, écris Naam, sinon je te donne le micro. Prends le micro, Inch'Allah. Naam, cher, donc j'ai reçu ça, on espère. Donc ça sera la dernière question, Inch'Allah. Si on peut faire des prosternations de distraction pour les surérogatoires. Si on en fait trois soujouds au lieu de deux, par exemple. Si on a fait trois au lieu de deux, non, après avoir terminé la salat, puisqu'on a ajouté quelque chose. J'ai ajouté ici, j'ai fait trois au lieu de deux. Donc, les prosternations vont être après le teslim, ça. Donc, je dis salam alaykoum, non, salam. Et ensuite, je fais deux prosternations et je refais le teslim. Et je dis encore une fois, salam alaykoum, salam alaykoum. Non, tfadl. Donc, comme on disait, même que ce soit pour les prières surérogatoires ou les prières obligatoires. Et je rappelle à mes frères et sœurs, il est là que Cheikh, Allahumma barak, a fait des cours sur ce sujet-là. Donc, il serait bien de les reprendre pour ceux qui n'avaient pas très bien compris le sujet. Jazakallahu khair wa barakallahu fik, Cheikh, pour ce cours très bénéfique. Qu'Allah Azzawajal vous récompense et du temps que vous nous apportez. Pour moi, c'est fini. Alhamdulillah, je n'ai plus de questions. On a fait les 10 questions. Donc, on va se rencontrer, Inch'Allah ta'ala, lundi prochain à 20h30. Ce n'est plus à 20h, mais à 20h30, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala.
pour continuer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, comme vous devez savoir, l'aqida c'est la chose la plus essentielle dans la vie du musulman. Si quelqu'un n'a pas appris l'aqida, ça veut dire qu'il a passé sa vie miskine, comme on dit, à côté de la plaque. À côté de la plaque. Il a appris yani, la sira, il a appris yani, comment avoir de bons adeb, comment bien se comporter avec les gens, comment bien prier, comment mashallah, mais qu'on n'est pas la aqida, qu'on n'est rien dans la aqida. C'est un peu comme les frères musulmans qui passent leur vie à parler de politique, du matin au soir politique. Tu lui demandes une petite question sur la aqida, c'est quoi l'attribut de l'acte, c'est quoi la différence entre l'attribut de l'acte et l'attribut de l'essence, il ne peut pas répondre. Est-ce que Allah Ta'ala se qualifie de l'étonnement? Il sait pas, il te dit, ah ben, ou bien on va dire, ma'ad Allah, a'udhu billah, comment? Et comme ça, on va dire, tu es un anthropomorphiste, tu ressens Allah subhanahu wa ta'ala, c'est créable. Et comme ça, miskin, le djal. Pourquoi? Il passe son temps à la politique, au lieu d'aller lire yani, les livres des salafs, les livres des savants. Al-Muhim, Inch'Allah Ta'ala, prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, c'est aussi dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'attribut des yeux. Les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lundi prochain, 20h30, سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته